bonsoir. Ça dépend d'aller regarder la vidéo. Nous tous déjà connaissons nous, c'est Sheila. Bolanda, ou avec les gens qui connaissent. Je dis à nous tous, nous allons faire avec notre nouveau recette qui c'est en portugais bolo. Et nous même les recettes haïtiennes à faire. Et c'est un gâteau. Alors, à ce moment-là, faire la 2. Je ne vais pas faire pour comme. Nous allons faire la 2. Et madame, nous allons présenter nous. Tout ingrédient qu'on a besoin pour nous faire recette là. Et puis on va comme on dit encore, on a juste fait une vidéo là. OK, on va présenter nous la bainon pour nous continuer. OK, merci avec chacun qui déjà abonné avec channel là, qui déjà fait un commentaire, like et partager vidéo que nous tagué déjà yo. Je dis à nous va montrer comment nous même nous faire gâteau de base, bien gâteau haïtien. Ça fait un petit gâteau de base, c'est parce que c'est à travers gâteau, ça nous capable de faire tout l'autre gâteau. Si vous va bien maîtriser ça, vous pouvez capable de faire l'autre chose. Qui ça a besoin pour nous faire gâteau ça? On a besoin pour une recette, c'est-à-dire pour un gâteau, on a besoin 4 tasses de farine, 2 tasses de sucre, 6 à 8 œufs. Ça fait mon petit 6 à 8 œufs, c'est parce que bien j'ai qui ont des gens petits. Si les gros sont capables d'utiliser 6, selon vous, selon vous, capable de mettre 8. Ça fait nous 6 à 8 œufs. 1 cuillère de zeste de citron. 2 cuillères d'ombre renversée. Et 2 cuillères d'essence renversée. Et aussi, vous avez besoin d'un petit peu de cannelle et d'un petit peu de muscade. Et aussi, vous avez besoin de paris de beurre. Et ensuite, 2 1/2 poudre élévation. Nous allons montrer où les ingrédients yo. Tout ça n'a besoin pour recette ça. Ma pourrais dire recette là encore si on nous t'avait écrit parce que ça me va le faire, me va le faire professionnel comme ce professionnel qui a parlé avec nous. Comme si après nous finir des vidéos ça, tout le monde supposé capable de faire un gâteau. Si vous voulez écrire recette là, capable écrire comme nous dit pour un gâteau, vous avez besoin de carré de beurre, gen moun ki kon di 2 blocs de beurre, moi-même. Et en langage cuisine, non, nous dit 2 carrés de beurre, 2 tasses de sucre, 4 tasses de farine, 2 1/2 poudre élévation, 6 à 8 œufs, 2 cuillères d'essence renversée, 2 cuillères de rhum renversée, 1 cuillère zeste de citron et ensuite mon tasse lettre. Moi c'est clair pour tout le monde. Mais puisque moi-même c'est un gâteau et demi, moi je vais le faire. Si je fais 2 gâteaux, je pense que nous avons doublé la recette, nous sommes intelligents, mais moi-même puisque c'est un gâteau et demi, je fais, c'est ça fait après là, moi pour aller utiliser 3 carrés de beurre. Ok, moi j'ai déjà fait la recette pour un gâteau. Moi, ça fait monter du 6 à 8 œufs, c'est parce que on va utiliser ça, que on va l'utiliser à vraiment petit, c'est ça fait moi-même à utiliser 8 pour un gâteau. Mais puisque c'est un gâteau et demi que moi va le faire, moi ajouter demi sur chaque recette. C'est ça que fait après là, moi gagne 12 œufs et moi gagne là 6 tasses farine. Comment pour nous mesurer farine là? Mon pas besoin. N'a pour là, il gagne un cop, c'est-à-dire toujours une tasse et ensuite 2 copes. Ça c'est 2 copes et demi. Et bien moi utiliser 3 fois ça arriver dans niveau ça pour lui bon moins 6 copes. Mon pas besoin mesurer tout pour nous ouais, m'a juste fait arriver dans un cop parce que farine moi déjà mesuré. Les ou mesurer farine non? Pas oublier que même déjà lavé. Le wap mesure farine nan, ou pas de prendre pour fouler comme si pour ta mettre comme ça ou bien pour fouler laisse la plus que mesure que au besoin c'est ça que fait wap utiliser main ou pour capable mesurer farine ça j'en m'a plagué là ou la gueule comme ça pour jusqu'à ce que moi arrive nan niveau côté li marqué ya OK on va là nous capable dire ça c'est un cop après li rivé nan niveau ça qui marqué yon cop là c'est comme ça pour mesurer farine nan pas besoin mesurer tout parce que farine moi déjà tamisé et li déjà mesuré moi juste fais ça comme une démonstration
pour ne pas fouler farine dans l'air, n'a pas utilisé. Ça c'est 6 tasses farine pour un gâteau et demi maintenant. Et ça aussi c'est 3 tasses sucre pour un gâteau et demi maintenant. Pour un gâteau on a besoin de 2 tasses, mais puisque m'a fait un gâteau et demi, c'est ça fait moi ajouter 3 tasses sucre. Et ça c'est 12 œufs pour un gâteau et demi. Pour un gâteau 6 à 8 œufs, ça dépend de grosseur puisque ça est vraiment petit, m'a utilisé 8 pour un gâteau. Si m'a fait un gâteau, m'a utilisé 8 et bien moi ajouter 4 souli qui vient bon moi 12 pour un gâteau et demi. Nous allons commencer le travail. Ça, chaque ça m'a utilisé, m'a tient à ce que moi ban une petite explication pour nous capable clair dans recette ça que moi pral partager avec nous qui c'est gâteau haïtien ou bien gâteau de base. Nous pour aller ajouter beurre dans le récipient ça. Normalement OK. N'a pas mon gagne une cuillère en bois pour me capable battre beurre. Là ou fin mettre beurre dans récipient ou pas de courir ajouter sucre là ou doit battre li d'abord en crème, c'est-à-dire ou doit rendre beurre li même li fond avant même ou ajouter ça que ou ajouter. Pour moun ki Haiti yo, moi nous pas gagne courant et comme ça tout capable pas gagne batteuse et ça fait m'a utiliser cuillère bois pour montrer nous. Juste pour une démonstration, pour ça m'a utilisé batteuse moi-même. Et même sous ta ici tout Brésil où on doit pas gagner batteuse là, et bien on va utiliser une cuillère en bois. N'a pas moi qu'un bé cuillère en bois maintenant comme ça. M'a bat beurre. Moi j'ai juste fait ça pour une démonstration, mais puisque moi gagne batteuse, on va utiliser batteuse là moi-même pour améliorer courage moi aussi. OK, comme n'a constaté ben nan déjà bien bat là. Si matériel ça relé spatule pour capable permettre ou nettoyer récipient ou servir. Mais j'en a gardé là ben nan getan bien bat. Kounia mo pral ajouter sucre la donne. Pas oublier ça, c'est 3 tasses sucre parce que c'est un gâteau et bien m'a fait. Si m'a fait un gâteau, eh bien, moi t'as utilisé 2 tasses. M'a ajouté sucre en 3 fois. Vous pas doit en prendre tout pour bout pour vider la donne. Li pral permettre que ou pas capable battre li bien parce que l'a trop nan men ou. Ou doit ajouter li au fur et à mesure, c'est-à-dire en 3 fois. OK. Première couche sucre déjà bien vilué dans ça. Maintenant, m'a ajouté deuxième couche là. OK, on va ajouter kounya troisième partie sucre là. Il permet tout faire travail là plus bien sans que ou pas craser corps. Là au final ajouter troisième couche sucre, pas oublier ou supposer battre les pour jusqu'à ce que ou sûr que sucre là li fond dans beurre. OK, comme nous capable constater là que comment ben nan vini blanc, c'est-à-dire que li bien battre et ensuite sucre là déjà fond la donne. Maintenant, qui ça nous va aller faire? Nous pour aller ajouter dans beurre à sucre moyen que relé ça appareil, nous pour aller ajouter là dans lui aromate là. Qui ça qui aromate là, on pour aller préparer pour nous capable ouais. C'est avec jeu yo que mon pour faire aromate là.
séparer avec œufs en entier, mais m'a séparer jaunes œufs de blanc pour capable préparer aromate là pour moi ajouter li dans beurre à sucre que moi saute bien bat là. Pas oublier ça c'est 12 œufs. Je n'ai pas constaté là, jaunes œufs maintenant déjà fin séparés de blancs œufs. On connaît des gens qui vont dire papa retirer jaunes œufs, on va obligé retirer jaunes là et des pas bali aucun problème. Pendant ce temps m'a préparé ça. Beurre capable toujours continuer battre sous gens qui a pédo pendant ce temps m'a préparé ça, beurre capable toujours à battre. Parce que tout le temps, il plus bien battre, la plus bon toujours. Mais puisque moi voulais montrer, nous ça m'a fait à étape par étape. Parce que si bien battre en bas, m'a préparé ça en bas, nous capable confondre. Que ça fait, m'a fait ça étape par étape pour nous capable clair et bien comprendre ça que n'a fait. Moi pourquoi a besoin blanc œil, m'a mettre les deux côtés. Aromate là, moi dis nous que mon prêt préparer. Pour ajouter dans beurre avec sucre, c'est avec jaunes œufs que je vais préparer. D'abord, je vais battre avec ce matériel qui est le fouet. Je vais recommander que je vais aller désinfecter les œufs. Je vais mettre des citrons, je vais ajouter pour un gâteau. 2 cuillères d'essence. Mais puisque c'est un gâteau et demi, m'a ajouté 3 cuillères. C'est toujours gros cuillère ça que m'a utilisé. Si c'était 2 cuillères essence n'a metté, n'a metté une dans vanille et ça c'est un petit essence blanc. M'a ajouté 2 blancs comme les plus forts. Un petit essence Haïti. Je n'ai pas ajouté un vanille. Ok, je vais commencer à monter 2 cuillères d'essence renversée. Qui ça renversée, vous voulez dire? Ça veut dire que vous avez mesuré l'essence, même si vous avez plein ou pas, ouais, un peu, tu as tombé comme ça, pour ne pas avoir l'embrouille, pas la gâter, mais qui n'a pas de problème. Ça fait rouler un cuillère d'essence renversée, même si tu as tombé, il n'y a pas de problème. Et ensuite, m'a pas ajouté 2 cuillères aussi de rhum renversé pour yon recette. Mais puisque c'est une et demi pour ne pas confondre, on toujours dit non ça, c'est une et demi, m'a ajouté 3. OK. J'en ai regardé là, ça c'est aromate là. Pas oublier, moi préparer lui avec jaunes œufs que je mettais disponible pour les sept là. Moi mettais 1 cuillère et demi zeste de citron parce que c'est un gâteau et demi. Moi mettais 3 cuillères rhum, moi mettais 3 cuillères d'essence renversée, un petit peu de cannelle et un petit peu de muscade. Ça a tellement senti bon là. J'ai envie de manger gâteau à 100 euros. Au matelas de tambour en vie. Ça là, j'en bien désinfecté. Pour en bouger dans le gâteau, c'est difficile. Comme on tient à ce que je noie, est bien désinfecté. Parce que quand on fait le gâteau, immédiatement on prend un morceau, on va mettre dans le bouchon sans dire que c'est un bon calor. Mais ça va être intéressant du tout. Gâteau, ça que vous allez faire. Si vous suivez et vous faites même chance avec moi, même si vous avez fini de manger petit calme. Ou boire de l'eau, surtout bas de bouchon, pour va faire un bouger à la dame. Pour qu'on fasse la petite, une bonne saveur dans la bouche. Là, aromate en fin paré, on va aller ajouter le beurre à sucre. Fin mettre aromate là,
on va continuer battre beurre. Ça m'a aller ajouter ma voilà ajouter farine non pas ajouter dit en 4 fois si l'été 4 tasses n'est qu'à ajouter en 3 fois mais puisque c'est 6 tasses il y a en quantité m'a ajouter dit en 4 fois. Et comme ça nous voyons comment on fait. Bien sûr, nous bien maîtriser ça. On ne peut pas battre. Sinon, si vous avez utilisé qui est bon, c'est qu'à aller comme ça ou battre non, ou bien pour battre ça ou battre non. Oui, pour essayer. Il y a des gens qui font comme ça, ce n'est pas bon. Mais moi-même, on fait comme ça. Mettez deuxième couche là, ma presser toujours, pas de battre, pas jamais oublier ça. Deuxième couche là, moi ajouter aussi mon petit liquide. Ok, moi comment pas de moyen, moi c'est nous tout bien, ouais. Bien normal, bien fin et le goût. Je vais goûter là, mais je vais me faire pas péter. Je vais envie de manger comme ça. Vraiment bon. Maintenant, je vais aller ajouter la dernière couche farine moyenne. La dernière couche farine, non, c'est la dernière fois que je vais pour élévation. Avant même de mettre la dernière couche là, vous mettez pour élévation là-dedans. Bon, c'est clair. Facilement ça, comme ça. Casser le petit. Ça va bien, c'est pour un gâteau et demi. Je mettre 3. Bon, c'est ça, va pour tout le monde. Bras servi avec blanchir. Bon, pas oublié. Parti pas blanchir, c'est notre dernier moment. Ou pas doué, mettez-le comme ça. Comment est-ce qu'on blanchir pour mettre-le dans la pâte là? Vous pouvez battre bien battre avec petit matériel ça que vous avez. Ok, j'en ai regardé là. Même sous chavirer. Pas tomber. En dernier lieu, c'est lui-même. M'a ajouté la pâte. La pâte moyenne normale. Ça m'a été fourni assez. Mettez-le en bas. Maintenant, on va chemiser mon lot. C'est-à-dire qu'on va passer de la dame. Ok, pas de moyen déjà prêt pour y aller dans le four. On va aller dans le four pour 30 à 45 minutes. Pour aller déjà chauffer, on va le mettre. Ok. Pour capable tester pour est-ce que gâteau d'après
On va utiliser un couteau, petit couteau de tabio surtout. On va fouer la dedans pour voir est-ce que c'est bon. Si le bon, on va prendre parce qu'il a sorti pour. Ok, mes amours, j'en ai constaté là. Gâteau mieux déjà prêt. On va garder le noyau bien sorti, bien normal. Parce que sinon, appliquer toute méthode, tout jambonté. Montrer nous, on pensait c'est comme ça tous les nous fait par nous à sortir. Ça c'est papier qui nous est chemisé nous là. Nous est comme une sorte simple et sauf et vivant gâteau bien normal. Maintenant, nous l'aider pour nous ta décorer. Mais ça a fait dans une autre vidéo. Nous souhaitons nous pas passer avec moi. On a dit, on a tout décoré, bagarre, on a tout ouais. Là, il est vraiment chaud. Pour capable décorer, il faut que les frettes. Qui donc, on a fait ça dans une autre vidéo. On a montré comment pour faire crème non, et ensuite comment pour décorer. Toute façon, que vous capable décorer un gâteau. On a fait ça dans une autre vidéo. Je vous remercie avec nous chaque qui t'es pourtant nous qui t'es regardé vidéo hein. Et moi pense nous pas regret et m'a encourager nous pour nous abonner avec channel là et m'a toujours paraître sur channel ça pour nous partager connaissance moi ensemble avec nous d'acheter nous abonner si vous pas trop faire ça si vous déjà fait ça merci pour fin garder vidéo à quitter un commentaire pour nous dire nous est-ce que vous compte faire déjà comment ou même vous compte faire parce que c'est pas vous même qui pour nous faire gâteau. Et qui donc peut-être jamais fait là, c'est pas comme ça vous faites. Donc, vous êtes capable de dire comment vous pouvez faire dans les commentaires. Et si vous avez une question, vous êtes capable de dire dans les commentaires. Pas oublier like et pas oublier partager pour plus de monde capable de faire. Merci à chaque fois qui vous prend le temps, qui vous regardez la vidéo depuis le commencement jusqu'à la fin. Les gens vont déjà dire nous. Dans la prochaine vidéo, on a pas comment nous décorer. Si vous n'avez pas de quoi abonner, commenter et puis partager vidéo. Nous pensons que nous ne pouvons pas faire connaissance liée, c'est apprendre que nous devons payer pour devoir apprendre. Et puis où est là, et nous parlons créole très facile, tout le bagage très facile devant nous. Moi-même, tout c'est pour encourager nous, abonner, partager, like, quitter un commentaire pour nous. Ciao!